Journée. Amen. Maréchal Zongo est avec nous. Oui, Comment allez-vous? ben ça va Vous très êtes dans bien. une très belle chemise verte. Oh, merci, merci, merci. Alors, vous êtes avec nous pour parler du spectacle d'humour Bassam Comédie le 9 mai. Bassam Comédie. Bassam Comédie, espace de diffusion de l'humour par excellence, qui est à Grand Bassam, Ensa Hotel, qui est un partenaire de la RTI. Bassam Comédie a été lancé il y a un mois. On a voulu recadrer un peu les choses dans le domaine de l'humour. On a vu que les humoristes sont toujours dans les 5 minutes, 10 minutes. Mais on pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à écrire des spectacles à thème pour aborder des sujets de société et pouvoir avoir sa place dans la construction de ce pays. Donc, Bassam Comédie, ce rendez-vous de cette semaine, c'est pour le samedi 9 avec le président Adama Daïko dans un spectacle inédit qui s'appelle Du CP1 à la CPI. Voilà, c'est le nouveau spectacle d'Adama D'accord. Daïko. Ce sera donc à Bassam Comédie ce samedi 9 à partir de 20 h. Et on a des jeunes gens qui seront avec lui pour l'accompagner. Il y a En cas de cas qui sera là. Il y a Docteur Philo qui sera là. Docteur Philo de ce midi que vous connaissez bien. Il y a aussi un autre jeune très talentueux qui s'appelle Bessie qui sera là. Donc c'est ce samedi 9 à 20 h à Ensa Hotel. Bassam Comédie, rendez-vous unique, diffusion d'humour par excellence, humoriste professionnel. Si vous avez des spectacles qui existent, on ne diffuse pas des sketchs, on diffuse des spectacles entiers. Ce n'est pas des 5 minutes, des 10 minutes, mais il faut avoir un spectacle d'au moins 1 heure de temps pour présenter à un public respectable et respectueux qui se déplace pour venir dans ce cadre somptueux. Une salle de 400 places avec une salle climatisée de 400 places. Tout le confort, quoi. Oui. Les conditions, s'il vous plaît, les conditions d'accès. Les conditions, ce n'est pas compliqué, c'est juste 5 000 francs le ticket. Nous avons choisi de le faire à Bassam, ça c'est votre ticket qu'on vous Oh, donne merci, déjà. c'est gentil. Nous Merci espérons que beaucoup. vous serez là. On espère. Nous avons Merci. choisi de le faire à Bassam parce que Bassam fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la seule ville en Côte d'Ivoire où la piraterie est interdite officiellement par la mairie de Grand Bassam. D'accord. Donc nous sommes là-bas parce que nous sommes de cette idéologie. Et le samedi 9, nous attendons tout le monde à Bassam pour Bassam Comédie. Oui. À Bassam, les tickets peuvent se trouver à l'hôtel Elsa. Oui. Maintenant, juste avant Bassam, il y a Rosier. oui Il y a la cité Rosier. Ceux qui sont au Rosier peuvent aller au supermarché de Rosier. Maintenant, nous, on est toujours à côté de Bassam. Avant Bassam aussi, avant Rosier, il y a la cité Sipim, l'aéroport. oui Ceux qui sont à la cité Sipim, l'aéroport, peuvent appeler au 77 10 46 61. d'accord Sinon, le numéro officiel de Bassam Comédie, c'est le 77 13 13 44 pour avoir toutes les informations et tous les détails. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu Maréchal vous Zongo, bénisse. et plein succès, hein. Amen. Sangaré Bangali, Monsieur Sangaré Bangali est avec nous pour la Foire internationale d'Abidjan. Bonjour, Monsieur Bonjour, madame. Sangaré. Alors, vous êtes avec nous pour parler de cette foire. Oui, Nous vous écoutons. effectivement, je suis encore avec vous pour vous parler de la foire internationale d'Abidjan Oui. qui fait son petit bonhomme de chemin parce que la foire prend fin le dimanche Oui. 10. Donc, je lance un appel encore aux Ivoiriens de venir visiter les stands des différents pays qui sont sur place, l'Algérie, le Maroc, le Niger, le Bénin, la Mauritanie, Madagascar, ils sont tous là, le Sénégal, le Mali. Donc, je dis aux Ivoiriens de venir qu'il y a des opportunités, non seulement d'affaires pour les hommes d'affaires, mais pour acheter quelques petites choses qui peuvent leur manquer. La journée algérienne s'est bien passée? Oui, la journée algérienne s'est bien Oui. passée. Je pense que l'Algérie est satisfaite. Ok. Et je profite de votre antenne Oui. pour remercier l'ambassadeur de l'Algérie, Il n'y a pas de souci. qui ne cesse de faire beaucoup d'efforts pour permettre à ses compatriotes de passer un bon séjour en Côte d'Ivoire et de mettre aussi à l'aise le comité Et la d'organisation. monnaie de l'Algérie, c'est le dinar, non? De dinar, Quelque je chose crois. comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous venez faire quelle précision Je viens vous exactement? dire que demain, nous organisons une journée avec les B2B, les rencontres B2B. Demain, dans l'après-midi, il y aura des rencontres B2B. Les entreprises ivoiriennes qui vont rencontrer les entreprises algériennes. Nous avons le répertoire des entreprises algériennes Oui. qui est là. Donc, ils sont là. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont eu la chance d'être cooptés par ces entreprises-là pour les représenter ici. Ah, ça c'est formidable. Voilà, on en a déjà eu 4 qui ont déjà été cooptés. Donc je profite de l'occasion pour dire qu'il n'est pas tard. Mais c'est surtout dans quel domaine d'activité? Il y a beaucoup d'activités. Ok. Il y en a les tricycles,
les vélos, les trucs. Il y en a. Il y a le cosmétique, il y a le bâtiment, il y a la papeterie. Donc je profite de l'occasion pour dire aux Ivoiriens de venir et qu'il y a des opportunités d'affaires. Il faut venir pour qu'ils puissent demain représenter ces marques-là. L'Algérie, et le stand de l'ophtalmologie, ça marche, ça marche beaucoup, bon. Ça ne cesse de désemplir, okay. Parce que les Ivoiriens en avaient besoin, avaient besoin de ça, cela. Malgré certaines choses aussi, okay. Donc ils sont effectivement là. D'accord, merci bien Monsieur Sangari Bangali, voilà. Les contacts, les contacts c'est toujours les mêmes, oui. Le 09 99 81 71. Le 05 85 27 27. Merci bien, M. Bangali. Okay. Bonne journée. Merci. Et nous échangeons à présent avec M. Nel Kwame pour le concert de dédicace de l'artiste Claude Romy aux sapeurs-pompiers militaires de Yopougon-Trois-Rouges. Bonjour. Bonjour, madame. Effectivement, nous sommes là pour parler du grand retour de l'artiste Claude Romy, connu par ce sobriquet, le Choco des artistes, ouais, élégant, oui. Charme, tout y est pour attirer, pour plaire. Après donc 8 années de retranchement, Claude Romy a ce grand plaisir de retrouver les mélomanes, notamment ses fans, ce vendredi 8 mai, à partir de 20h, on dira de 20h à l'aube, aux sapeurs-pompiers militaires de Yopougon-Trois-Rouges. D'accord, et qu'est-ce que Claude Romy promet à ceux qui vont venir? Effectivement, Claude Romy promet des merveilles. Vous savez bien, c'est un grand artiste très respecté. Quand on parle de musique tradie moderne, ouais, il est le champion, il faut le toute modestie mise à part. Mais pour ceux qui le connaissent bien, c'est le maître de scène, une véritable bête sur scène. Je l'ai même vu en préparation. Il a promis des grandes choses, des merveilles, des surprises. C'est du Saba Dance. On va ajouter à cela le Saba Sexy, une nouvelle trouvaille, un concept à découvrir absolument ce vendredi à partir des 20h. Et ça, jusqu'à l'aube, l'entrée est à 1000 francs. Ce n'est vraiment pas grand cher payé. Oui. Tout le monde tout peut l'avoir. Déjà, dans les quartiers, où vous allez retrouver les différentes associations. Pour ceux qui savent bien, vous savez, les PEBOUE sont très organisés. Oui, vous allez voir vos différents présidents des quartiers. Eux-mêmes, tous ceux qui veulent avoir les tickets sur place, pourront l'avoir aux sapeurs-pompiers militaires de Yopougon à partir de 19h ce vendredi. Oui, mais oui. Je voudrais... Oui, oui, monsieur Nel Kwame, est-ce qu'on aura d'autres artistes qui viendront soutenir Claude Romy? Comment peut-il en être autrement quand on sait que Claude Romy, c'est toute une pléiade d'artistes qui l'accompagne? On nomme Simon Bozon, Manu Def, Bleu Marius et bien d'autres artistes qui vont l'accompagner, mais avec votre permission. Allez-y. Je voulais rapidement saluer et dire merci au patron de cette cérémonie, le ministre d'État Albert Mabutoakeuse, le patron de cette cérémonie, Madame la ministre Anne-Désirée Loto, le haut parrainage du ministre Dagobert Banzio, qui est le président régional du Cavali, et bien d'autres cadres de la région. En tout cas, qui se reconnaîtront. Qui se reconnaîtront. Oui, monsieur Nel Kwame, s'il vous plaît, les contacts. Alors, pour ceux qui voudraient avoir de plus amples informations sur ce concert inédit, concert dédicace de Claude Romy, vous pouvez appeler au 05 34 38 44, 05 34 38 44, 09 78 74 67, 09 78 74 67. Je tiens à rappeler que l'album s'intitule « Oublions le passé », un album de très belles factures. Voilà. Et il sera disponible aussi là-bas. Oui, là-bas. Cet album sera disponible. Merci. Et les mélomanes pourront s'offrir. Merci beaucoup, M. Nel Kwame. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À présent, El Matador en semi-live à l'ambassade discothèque à la rue Princesse de Yopougon, le 6 mai à 20h. Pour en parler, Ibé, le fonctionnaire, est présent ici avec l'artiste. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Natata Chérinka. Bonjour à toute la population ivoirienne, à tous ceux qui nous suivent. Je suis encore là, comme vous le savez bien, quand Ibé est là, c'est forcément un événement attractif, c'est forcément du ballet, c'est forcément des belles choses qui vous attendent du côté de l'ambassade discothèque à Yopougon. Et vous le savez bien, nous sommes sur notre lancée, c'est de faire plaisir à tous nos amis, à tous nos invités, à toutes celles et à tous ceux qui nous rendent visite. Et raison pour laquelle, après sa tournée africaine, le premier établissement à le recevoir à Abidjan, c'est l'ambassade discothèque située à Yopougon, rue Princesse. Lui, c'est El Matador, vous le connaissez bien, Louis Khalifa de la musique ivoirienne. Et peut-être que certains ne se souviennent pas, mais rappelez-vous dans certains morceaux tels que Baby Philippe, où il a posé sa voix
c'est dire que dans tous les morceaux auxquels il a participé ont été vraiment un franc succès. Donc, il vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h du côté de l'ambassade discothèque. Et cette fois-ci, c'est en semi-live. Rare est de voir des artistes jouer en semi-live ou en live dans des établissements, surtout quand il s'agit de couper des calés. Et ces personnes qui le font, là, vraiment, elles sont à féliciter. Donc, ce monsieur, il est à ma droite ici, de Wiz Khalifa de la musique ivoirienne. C'est El Matador, il est là. Il va vous dire tout simplement qu'il revient d'une tournée et l'ambassade, il l'a choisi rien que pour vous plaisir ce soir. Oui, El Matador. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Okay, je n'ai pas grand-chose à dire. Je demande seulement à la population ivoirienne, abidjanaise, de se déplacer massivement, converger ce soir de l'autre côté de l'ambassade. Venez découvrir encore les mélodies de Wiz Khalifa. Ça ne sera pas du jeu. Ok, merci beaucoup. Donc, vous le savez bien, c'est toujours du balèze avec Waribora Productions, président premier, et Kader Manaja, voilà, qui nous accompagne. Okay. Donc, rendez-vous ce soir à partir de 20h à l'ambassade discothèque. Tout feu, tout flamme, Wiz Khalifa El Matador vous attend. Et bien, le fonctionnaire, un contact, s'il vous plaît. Oui, les contacts sont les mêmes que vous allez rappeler. 0321.